Et re les gens. Salut YouTube, deuxième partie de ce marathon Need for Speed. On est sur Need for Speed 4, conduite en état de liberté sur PlayStation. On est revenu à la PlayStation, toujours sur PS3 avec le PS4 évidemment. Et j'ai pas mis le micro, j'ai pas eu le son du jeu. Incroyable. Hop. J'espère vraiment que l'intro va pas merder. Et tu vois sur YouTube, évidemment, lien description pour venir en live et esquinter les yeux sur des pixels gros comme ma tête en bas de cette écran. Oh, j'adore. Ah, je vais me taire de ouf sur cette intro, clairement. Incroyable. Putain, là, vraiment, on a passé un cap au niveau de du rythme, de la dynamique. C'est putain, je kiffe cette intro. J'avoue, l'intro de Porsche 2000, elle est pas mal non plus. Mais c'est que des Porsche. Mais oh là là. Combien de flics pour une course de rue? Ah, une voiture, ça me paraît bien. Là, ça donne envie de bombarder, de passer sur des passages à niveau, de faire courser par un hélicoptère. Non, ne faites pas ça chez vous, hein. Sauf si vous avez la place dans le jardin pour vous faire courser par un hélicoptère, mais c'est quand même compliqué. Need for Speed, conduite en état de liberté. Quel jeu. J'espère vraiment qu'il va fonctionner. 99. Bah, je comprends pas, les gars. Oh, cette musique. Oh là là. Je comprends pas. Ah, c'était 94, 97, 98 Need for Speed 3. Ok, d'accord. Jusque là c'était que Electronic Arts Canada hein, qui développait les jeux, je vous en ai pas parlé mais... Pareil, il est sorti sur PlayStation et je crois que sur PlayStation en plus celui-là. Non, il est sorti sur PC. Évidemment il est sorti sur PC, quel abruti je suis. Non, 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 non. Pas de démo, malheureux. Bon, la connexion drop les gars, je suis désolé, ou pas, c'est pas de ma faute. Alors, un pilote, option palmarès. Ah, oh, qu'est-ce que j'aime ce... Ah mais les gars, j'ai envie de rester toute la soirée sur ce jeu. Ah ça fait, c'est toujours un truc hein, c'est comme quand tu joues à FF8, c'est mon premier FF8. Tu vois. Est-ce que tu verras de live sur Star Wars Jedi Fallen Order? Ils sont... Tout dépend si je peux me le procurer en fait. Moi je veux bien essayer hein, je veux bien vous faire une petite découverte en live. Ça dépend. Si Electronic Arts l'offre en essai, ouais. Ouais ouais, je veux bien. On sent déjà vraiment qu'il y a un effort sur le visuel. Clairement, Need for Speed, c'était toujours cool, en fait. Ah, j'ai pas les vibrations, ça fonctionne pas. Mais genre, tu pouvais régler les... Mais n'importe quoi, en fait. On verra bien. Sur Hitman, ouais, il nous reste une mission, non? Tu sais, j'ai retrouvé une cravate Hitman pour la promo de ce Hitman. Non, c'était Hitman Absolution. J'ai des cravates. En carton, hein. Des goodies. Hitman Absolution. Les musiques sont top, hein. Là, vraiment, on est à un niveau au niveau des musiques. Bon, faut aimer, mais on a vraiment une tracklist de ouf. On a les poursuites, putain, les critériums. Allez, on va faire un essai. Une course simple. Non, un essai. Vous savez pourquoi? On va pouvoir écouter les détails au niveau du son. La meilleure mission, ouais, ça promet.
La route à Donf, c'est quand même marrant, non? Regardez. On va prendre ça. Un chat avec une cravate trop choupinou, t'as vu? Regarde, écoutez. Mercedes-Benz a construit de nombreuses voitures de sport de légende depuis sa création. La fameuse SSK de 1928 et la classique 300 SL avec ses portières en aile de mouette de 1954 en sont des exemples prestigieux. Mais le tout nouveau SLK 230 est probablement le modèle le plus révolutionnaire. Les gars, il y a 99 PlayStation, ils sont dans le futur les mecs. Clairement. C'est un truc de ouf. C'est hallucinant. Je veux une M5, je sais qu'elle est là la M5. Oh là, qu'est-ce que j'ai pu cramer du bitume avec la M5. Ouais, Mercedes, ben c'est elle, les brises dans les fins. Oui, bah ben, bon. Oh là là, et le niveau de détail de la caisse. Vous imaginez quand même, entre 94 et 99, il s'est passé 5 ans. Vous avez vu là, en l'espace d'une heure? Incroyable. Ah oui, c'est vrai, quand tu valides la course, t'as le bout du moteur. Ce jeu est une merveille. BM, tu vois, BM, il ne dérange personne. Ils sont en Formule 1, BM. Ils existent encore, mec. Landstrasse. J'ai envie de me regarder taxi, hein, je sais pas pourquoi, en fait. J'ai revu d'un mec qui a posté la dernière poursuite sur Twitter. Et c'est vrai que c'était bien filmé. Hein. Bon, il y avait des incohérences au niveau des cuts. Mais quand même, j'aimais bien, en fait. La caméra ras du sol, comme ça. Le plan en hélicoptère. Ah, hein. Oh, c'était stylé. C'est pas l'important. Ah, quand même. Important, non? Oh non mais visuellement c'est les gars ils sont en turfu. Attendez. On pouvait enlever l'interface avec les flèches. Quoi? Non on peut pas. Ça c'était pour la musique. Klaxon, ok. D'accord. Les vues. Ça c'est pour reset. Ok. Bah théoriquement c'est mieux en fait. En fait faut se dire que il est plus beau. Mais c'est parce qu'on vient de changer de plateforme. On est plus sur PC, on est sur PlayStation. Donc il est plus beau en fait. Là en fait regarde bien. C'est la définition hein, qui pose problème. On est en 1080p hein. Imagine ça en HD. Tu vois bien que la voiture est carrément mieux faite que sur la précédente. Oh c'était ouf. On pouvait pas changer de musique. Il me semblait qu'on pouvait changer de musique. Non. On enlevait la musique directement comme ça. Ah oui, il y a du Dolby, c'est incroyable ça aussi. Juste pour profiter en fait. non mais allô. C'est quoi ce son? Faut pas vous faire un truc Je peux vous faire un truc comme as. Ça vous permet d'avoir du full screen. Moi je vais vous laisser comme ça du coup pour le. Voilà. Hop. Voilà. Ah ouais, non mais. Ça veut dire que c'est bientôt les keufs, non? Ouais. Non, c'est sans interdit. La conduite, les gars! Quel plaisir! Regarde. Là, tu commences à faire ce que tu veux. Je me rappelle, il y avait un cheat code pour les vues intérieures. Voilà, et je faisais ça, j'adorais faire ça. La résonance du moteur. C'est ça le choper sur PC. Il y a une bosse normalement quelque part. Pour taper des jumps. Vous voyez que la conduite a changé parce que là ça se conduit, mais alors une merveille quoi. Qu'est-ce que je veux avec la bagnole? Regardez-moi cette esquive!
Ce gameplay. Oh là là, mais je suis en joie. Bon, les panneaux, ils sont pas à l'échelle, hein. Ça m'a toujours fait rire. Vous entendez tous ces petits bruits? C'est énorme. Regardez, il y a des accidents au milieu de la route et tout. Tellement stylé. Ah, je me sentais libre, hein, déjà. Ouais, non, vraiment... Quoi? Il me semble que vous pouvez mettre les clignotants. Ça, c'est pour la musique, d'accord. C'est sûr qu'on peut mettre les clignotants. C'est vraiment... Très marrant. Il me semblait qu'on pouvait mettre les clignotants. C'est même sûr, mais je sais plus comment. Peut-être que c'est pas compatible, j'ai la manette de la... Mais moi, la taille de ce panneau. Tiens. Écoutez, écoutez. Juste ces petits détails. Du chant d'oiseau et tout. Ah, c'est... Il y a une écurie, normalement, pas loin. Oh, j'adore. Je m'en fous, un jour je fais un fou là-dessus. Vous pouvez pas prendre les boss? Non. C'est pas ici. Je sais plus où c'était. Peut-être pas sur ce circuit là d'ailleurs. On va mettre le cheat code si vous voulez pour la vue intérieure. Ah, mais si les flèches directionnelles sont pas prises en compte. Ah, si, parce, c'est parce que je peux klaxonner. On rappelle, on pouvait mettre les warnings. Le comptoir était trop stylé aussi en haut. Alors c'était pas ici. Pas ici. Bon, c'est un détail, mais c'est pour vous dire, j'en suis quasi sûr. Oh là là! Ce créneau! Évidemment, on pouvait revoir la course. Évidemment. Extraordinaire. Ce jeu est une merveille, on va pas se mentir. Meilleur Need for Speed pour moi. Enfin, meilleur Need for Speed. Porsche 2000 est très très bien. Les Underground sont bien aussi. Ah, mais je sais pas, il y a un truc. Ou peut-être c'est juste parce que c'est mon premier Need for Speed, je sais pas. Voyons voir dans les manettes le problème. Bah quoi? Klaxon plein phare. Ah non, on pouvait pas. Ah bon? Ah bon? Possible, c'était un mode ou quoi? C'était un mode ou quoi? Alors, Need for Speed 4 cheat. On va rigoler. Ah. Ah non. Vous devez avoir terminé le jeu une fois pour faire les codes. Ah bah non, pas du tout. On pouvait faire ça? Ah oui, mais ça c'est sur PlayStation, moi je veux. The Emperor Names. Phantom, police, hélicoptère. Ouais, on pouvait jouer avec l'hélicoptère de la police, les gars. Avant, les gars, quand on faisait des cheat codes, c'était fun. On pouvait jouer à un hélicoptère. Hein, on pouvait jouer avec une tête dans le monde des bleus, sur PS2. Un jeu de foot, évidemment. C'est un truc de ouf. Je me rappelle d'une voiture, on pouvait roter avec. C'est une voiture bonus, on pouvait roter. Dashboard views. After seeing Star Wars. Ok. Ok, les gars. Ok. On va faire des conneries. Non, on va se calmer parce qu'il est quoi, 26. Ah ouais. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Simple. Solo. Et solo. On va du coup changer de circuit, on va faire... Ah, on a la France, les gars! La France, la route à Donf, en France. Est-ce qu'on prend la BMW encore? Non, quand même, on va changer de voiture. Une petite liste de voitures, ça aurait été sympathique. Ah. Ah. Problème de chargement, peut-être.
D'accord, je ne vois pas la voiture. C'est pas grave. Du coup, on va faire. Ah, parce qu'on est. Ah, quoi? Ah, ok. Autant pour moi. On va faire un essai. Pas grave. Allez, acheter une bagnole. Ah oui, il y avait une notion d'argent dans ce jeu, c'est vrai. C'est vrai. Premier Need for Speed avec une notion d'argent, c'est tellement bien dans ce jeu. C'est lequel j'étais en basse calme, peut-être 911. Allez. Il y a tellement de codes différents, je vais pas tous pouvoir les mettre. Mais il y a des trucs vraiment très très drôles. Alors, faut que je maintienne. Hein. Non, je pense que ça peut fonctionner. J'ai les cheats qui sont là, c'est bon déjà. Le mode bourré était très très drôle. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? On va vite le savoir. Faut que je tienne jusqu'à la fin du chargement. Après, on se fera une poursuite avec les keufs. Et puis après, on passera à Need for Speed Porsche 2000. Je vais vous lire, hein, mais là, je peux pas. J'ai mon truc qui est ouvert sur le chat. Donc, je ne peux pas vous voir. Je suis désolé. Salut. Non. Ça n'a pas fonctionné. Désolé. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Martin, tu refais tout NFS? Ouais. Ah ouais, ce jeu est ouf. Ok Varek, merci de passer. Passe une bonne soirée. Le shit, c'est mal. Attends, ce Need for Speed, je le kiffe tellement. Et du coup, ça n'a pas fonctionné. Désolé. Il n'y a aucun cheat qui se met en course. En fait, c'est des cheats. En fait, t'as des cheats à faire en tant que nom de joueur. Faut que j'essaie un truc. Ah oui, il y a des caméras comme ça, c'est vrai. C'est très bizarre. Quand tu maintiens. Ah oui, what the fuck? Et du coup, il est plein feu. Ok, c'est bizarre. On va rouler un peu encore ici. Martin, merci beaucoup pour Rust. Dommage, je suis là, ok. Je casse dormir, je t'avoue, je suis mort. Pas de soucis. Je comprends, j'ai tenu blanche. Repose-toi bien, merci de passer. Non, c'est ici qu'il y avait des trucs pour jumper. Et j'ai l'impression que j'y ai joué hier. Alors que pas du tout. Voilà, tu glisses mais ça se rattrape. Ouais, vraiment je pourrais donner 1920 à ce jeu. Ça peut être pas nous. On approche je crois du cheval. Ouais. Et des fois je restais là des dizaines de minutes. Je kiffais ce détail. Mais vous savez quoi, c'est histoire de cheat code. Ça donne vraiment envie de faire cette putain de série avec mon meilleur pote. On se refait des vieux jeux et on fait que des cheat codes pour se taper des barres. Il y a vraiment moyen de vraiment de pleurer de rire. Je préparer ça à Cheatland. Elle est où la boss là? Ah! Ah! Oui les gars, il y a des dégâts, c'est vrai, il y a des dégâts! Il y a des dégâts sur ce... Putain, les gars, il y a des dégâts! 99, on a des dégâts! Ah, qu'est-ce que je me... Ah non, ah c'est... Ouais, c'était celle-là. Qu'est-ce que je kiffais? Bref. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Ça frotte à gauche. Oh, le Porsche 2000, t'inquiète, on va y arriver.
Tout le monde kiffe bien Porsche 2000. J'ai l'impression que c'est un Need for Speed qui est un capital sympathie assez élevé. A raison. Hein, et toi, il y a toujours des dégâts, bien vu. T'as encore un 180, c'est moi qui le fais, j'étais vraiment le frein à main avant de passer la ligne. Incroyable. Du coup, ouais, ça me donne envie de faire ça en fait. Mais il faudra essayer avec. Il y a des cheats dans les cheats. Quand on est en mode dashboard avec le cheat pour avoir le tableau de bord, on a un mode boost. Ok, pilote. Poursuite. Et on pouvait du coup jouer la police. Bon, calmons-nous. On va faire du coup l'Angleterre. Bon là évidemment on est en fuyère. Ah je crois savoir. Ouais c'est celui-là que j'ai joué des années. Ouais le 2000 ouais. Ouais forcément il y a de ça aussi. Après les Need for Speed 4, Need for Speed 5, bon j'appelle 5 hein, Need for Speed Porsche 2000. Qui s'appelait Porsche Unleash en VO. Ça reste quand même des très bons Need for Speed, on va pas se mentir. Je tente un truc, si je suis fuyard c'est cool, mais je voudrais être keuf en fait. On peut pas faire Need for Speed 4 sans être policier. Non, ouais, personne. 3, 2, 1, go! Regardez les gars, regardez, j'ai mis les warnings! J'ai mis les warnings! J'ai allumé les phares, les gars! C'est ça! Il y a bien les phares, mais incroyable! On peut allumer les phares, on peut mettre les warnings, on peut mettre les clignotants! Ah, les clignotants, je peux pas. Merde. Les clignotants, je peux pas. Ah, si! En fait, ça bug avec le joystick. Oh, les gars, il y a des clignotants, allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bien ce que je disais. Il y a bien les clignotants. Quel jeu de ouf. Est-ce qu'on a la police? En fait, il faut appuyer sur L1 avec les... À centrale, à la poursuite d'une Chevrolet Corvette, à proximité du pont autoroutier. Je prends le suspect en chasse. J'appelle toutes les unités. J'ai repéré un chauffard en Chevrolet Corvette. Mais ce du bout... Pont le bout du moteur est ouf, hein. Le contrevenant conduit Corvette du métal. Je vous reçois, poursuite engagée. Évidemment, hein. A chaque fois que tu changes de map, la police correspond plus ou moins à la vraie police. Le reflet des néons. C'est bon, c'est pas des keufs en mousse, hein. Unité 223 à toutes les unités disponibles. Je me charge de celui-ci. On dirait un gamin qui a une PlayStation et puis... Bah, sincèrement... En fait, tu vois, quand t'es passionné, t'es fou, en fait, putain. C'est hyper fun. Un barrage. Ici le central à 223. Un barrage a été mis en place. Ici là ton barrage. Ici là. Tiens. Ici le central à unité 223. Votre vitesse s'il vous plaît. Unité 45 à centrale. Il a franchi le barrage. Bah ouais, je trouve que ça allait, hein. Tu sais, garder ton âme d'enfant, c'est important. Bah tu sais, l'enfant c'était pas si bien que ça. C'est vraiment l'Angleterre. Rangez-vous, ou je vais être obligé d'employer la force. Fais de la gueule. Là, t'as raison, fais le taf à ma place. On va pas faire les deux tours, les gars. Allez, triple flip, et ça repart. J'adore le son. J'adore. C'est vrai. Je vous reçois, la R une hearse. Allez, vas-y, on va crever les pneus. Je vous reçois, ici le central, à toute unité disponible. C'est excellent. Ouais. C'est fini, hein. Il y a une hearse, c'est fini, hein. Il n'y a pas l'animation, par contre.
la différence avec la version PC. Y a pas le mec à côté, tu vois. Voilà. Incroyable. Ouais, par contre, c'est pas oui, je roule avec les pneus crevés. Non, tu ne roules pas, c'est l'AR, c'est fini. Par contre, c'est quand même sympa d'armer des petites lumières signalétiques sur l'AR. C'est quand même cool. Du coup, j'aurais bien voulu avoir une voiture de police, juste vite fait. Ne vous inquiétez pas, on débordera, vu que de toute façon, on a une heure pour faire le dernier jeu. Je regarde vite fait ce qu'on a en course poursuite. Est-ce qu'il fallait sélectionner une voiture de police, non? Attendez. Ah merde. On va faire la France. Je pense que c'est en sélectionnant sa voiture, je ne sais plus. Bon, désolé les gars. Ok, là je peux pas. Parce qu'il faut d'abord acheter une voiture. Voilà. Ah ils sont vénères quand même. Il y avait une salle des trophées je crois aussi. Le critérium, qu'est-ce qui m'avait fait péter un peu. On va vérifier s'il y a bien une voiture de police. Moi je peux plus. Bah les gars, j'ai bien fait poursuite, non? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah ouais, course simple, putain, je suis un abruti quoi. J'étais en espoir les gars, j'étais en facile quoi en gros. J'ai mis ce clic dans le menu. Non, on aurait pas les voitures, je comprends pas. Vous pouvez jouer la police? Je comprends pas les gars. C'est bizarre. Je serais certain. Ah ça me chiffonne, on peut pas. Je ne sais pas du coup, je suis désolé, je peux pas vous présenter les voitures de police. Enfin vous les avez vues mais. Je suis désolé. Ah je suis vraiment dégoûté. C'est sûr qu'on pouvait jouer les flics. C'est sûr et certain qu'on joue la police. Trophée GT, crétin. Ouais. Bah, je ne sais pas. Je sais pas. Peut-être que c'est pas débrouillé, je ne sais pas du tout. Je vais même dégoûter. Parce que là même j'ai fait la M5, mais il n'y a pas la même option. Il y a l'anti-patinage. Ah quand même les gars. Quand même. Plaisir. Allez, on se fait ça et on switch. Ne vous inquiétez pas, on débordera un peu sur la poursuite 2. Need for Speed Porsche 2000 aura sa demi-heure, ne vous inquiétez pas. Demain, je sais pas si je pourrais faire deux courses. Sur les jeux, on va vraiment survoler. Ici le central, à toutes les unités, on me signale un chauffard en Aston Martin après l'ancienne tour de carte. 38, à centrale, j'aperçois le suspect à une demi-borne du pont autoroutier. Une demi-borne. Bien reçu. Ah, incroyable. Unité 38, poursuite engagée. 10-4, je commence la poursuite. Unité 38, ici la centrale. Quelle est la situation? 38, la centrale. Le véhicule suspect est n'importe alors, quoi. Avant, soyez prudent. 10-4, unité 38. Avant, on l'achetait pas une hearse directement du véhicule. Hein. Je demandais une hearse. Ah j'adore. Quand tu fais, en fait quand tu fais de rétro, 38, ça se fixe sur le mec. Où en êtes-vous? Ici unité 38, à centrale, à la poursuite d'une Aston Martin près des tunnels de pierre. 10-4, unité 38. Ici unité 38, à centrale. Le suspect ne réagit pas, j'ai besoin de renfort. 38, unité 43, vous rejoint en couverture. Je te reçois, centrale. Votre père.
Ouais, c'est bon, on va pas faire ça non plus. T'as la police en deux, on s'en avait douté. Merci. Merci, Cliff. Ah, oh, j'adore. Ah, j'aime trop. Centrale, je commence la poursuite. 38 à centrale. Demandons l'autorisation d'utiliser une herse. Ici le central. Regardez. À unité 38, il n'y a pas d'unité disponible. Hop. Pour placer. Je peux faire flasher les feux arrière. Mais il n'y a pas de barre de santé en fait, genre tu l'arrêtes point quoi. Unité 38, votre vitesse s'il vous plaît. Unité 38 à centrale. Il va à plus de 120 km/h. Confirmé. Ah, j'adore. Allez, c'était Need for Speed 4. Laissons un peu de place quand même pour Porsche 2000, parce que Porsche 2000 est quand même vachement cool aussi. Et il y a toujours la police dedans, évidemment. Du coup, voilà les gars, comme toujours, on vous met, enfin comme toujours, la petite pause, comme ceci. Je me coupe mal la voix et je reviens, ça va prendre 20 secondes, même pas. Et de retour. Bon, je vais vous mettre une petite musique quand même, je pense. Pour, je peux pas penser à ça, je suis désolé, je prends un naze. Je vais pas non plus faire une animation Need for Speed 25e. C'est vrai, sincèrement, j'aurais pu faire un truc After Effects avec un logo 25 ans qui tourne et tout. Mais bon, il y a des mecs qui ont 50 000 followers, ils se cassent même pas le cul à faire le quart de ce que je fais. Alors, actualisons d'abord Need for Speed Porsche 2000. Ah, il va être sous quel nom du coup? Force. Il y a aussi Porsche Change qui est sympa. J'ai envie tellement de faire des vidéos sur des vieux jeux en fait. J'en ai un peu marre de faire des trucs d'époque, PS4, Xbox One. J'ai envie de faire des vieux jeux sur, sur YouTube. Est-ce qu'on a Porsche 2000 ou ouais, Porsche Unleash? Mais c'est toujours vouloir la qualité de ouf en fait. Yeah, c'est quand même compliqué de capturer, etc. Je pense que c'est regardable comme qualité. Bref. Le petit écran bleu qui va bien qui indique qu'on est passé sur un nouveau jeu. Quel doux son à mes oreilles. Par contre, est-ce que je suis... Gamin avec son danseur, j'ai déjà dansé avec lui. Et j'ai même des preuves. Tu es donc un chien. Pas bien. Le son de l'angoisse. Ouais. Est-ce qu'il va se lancer? Est-ce qu'il va se lancer? Est-ce qu'il va se lancer? Surtout sur... Porsche. Le précédent Need for Speed, là, conduite en état de liberté, je suis désolé. C'était compliqué. Très compliqué. Et là, tu fais. Et en fait, il buguait au moment où la Civic, je crois que c'est une Civic, qui est sur moteur. Porsche. Écoutez, regardez bien. Regardez tellement. Regardez-moi ça. Ah. Je vous enlève l'overlay.
Putain. Ouais, non, mais c'est vraiment cette intro. Même maintenant. Ah, waouh. Le niveau de la synthèse et tout. Et tu sais, c'est pas tant en fait seulement la beauté en fait, c'est comment c'est agencé, tu vois. Enfin, l'arrière en fait, les idées de transition et tout, je trouve ça très stylé. C'est pas juste, oh, on a des voitures qui roulent vite. C'est. Putain, ça donne envie de rouler de ouf. Et toujours l'éclair qui gravait Need for Speed, tu vois. À partir du 3, c'est arrivé. Et. Attends, 3, 4. Ouais, à partir du 3. C'était un déguisement. Ah ouais? Ok. Bizarre. Vous savez pas si ton jeu est censé. Oui. Ouais, exactement. C'était. C'est le jeu qui m'a fait flipper que je prenais. Ouais, non mais ouais. Alors du coup, je présente vite fait. Bon, vous connaissez le jeu de toute façon, mais bon, pour ceux qui voient ça sur YouTube, au cas où. Porsche 2000, pourquoi on a cette intro? Parce qu'en fait, on a un pilote d'essai Porsche. Donc il y aura que des Porsche dans ce jeu, si je dis pas de conneries. Oh, cette musique aussi. Relaxez-vous. Vos paupières sont lourdes. Écoutez le bruit du Fat 6. C'est ouf, on est un truc de méditation. Donc je disais quoi? Voilà, donc pilote design, etc. Et pourquoi il n'y a que des Porsche? Parce qu'on va vraiment pas juste conduire que des Porsche, comme Mercedes World Racing. Mercedes World Racing. Si, World Racing du coup. Racing. C'est qu'on va vraiment traverser les époques avec les différents modèles de Porsche. Et encore plus fort, la même map change par rapport aux années. Et la musique change. Si on est dans les années 60, 90, c'est... Pas de spoil. Non, mais j'aurais pas dire de conneries. Je sais qu'il y a que des Porsche, mais peut-être qu'il y avait un modèle que j'ai oublié, ou peut-être que je sais pas, il y avait un bonus, un truc. Bon, bref. Incroyable en tout cas. Même le menu est stylé. Tout est stylé. J'adore. J'adore. Pas spécialement un fan de Porsche. Dédicace à Trafic. Je suis pas spécialement un fan de Porsche, mais là, clairement, les gars, ça me donne envie de faire des découvertes d'une heure, 1 heure et demie, de mettre ça sur YouTube. Vraiment. Tellement ouf. Jouable. Ah oui, il y a 4 en split, il me semble. Incroyable. Ok. Et on pouvait paramétrer. Les commandes. Étalonnage. Il avait une super idée de faire ce jeu. Ouais, non, mais clairement. En fait, celui qui se rapproche le plus, c'est World Racing, où il y a que des Mercedes. Et t'as pas cette. Et le 2, c'est que des Volkswagen. Mais t'as pas cette notion de traverser les époques, en fait. Regardez-moi ça. Regardez, il y a des trucs d'archives et tout. Les gars, les gars. Ouais, je peux tout montrer évidemment, on n'est pas là pour ça, mais. Défi pilote d'usine, évolution. Donc évolution, c'est vraiment tu fais toute l'époque. On va faire défi. Ouais, ça va peut-être la langue, il y a des courses simples. Enfin, on pouvait pas jouer les keufs, je crois. Ah, peut-être. Ah si, poursuite, chasse aux fanions. Putain, de le chrono, course. Faisons une course. Je sais pas, il y a un truc, adversaire nul. Ils ont rien respecté dans celui-là. Vous voulez facile, normal? Non, vous les avez dit nul? Genre naze, pourri. Ouais, c'est ça l'ambiance en fait, tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Et je vais vous en parler en fait des petits détails dans Need for Speed Shift 2. Enfin, il s'appelle juste Shift 2. Il suffit pas de faire un jeu qui est beau visuellement en fait, ou qui a une bonne physique. Les détails. Shift 2, je vous spoil tout de suite, il y a des boulettes de gomme sur le bord de la piste. Il y a des bruits quand t'es en vue intérieure, de trucs qui tapent dans les passages de roues. Et bah ben c'est beaucoup plus immersif qu'un Forza qui a une conduite plus réaliste par exemple qu'un Shift 2. Vous voyez? Et là, il y a une ambiance, l'habillage des menus, je sais pas en fait. Il y a des jeux comme ça, genre Crash Bandicoot, tu te dis, ah c'était bien, mais tu vois, c'est peut-être ta nostalgie qui parle, genre mais le jeu, tu vois, il est pourri. Non, non, ça nous l'a fait avec PGR 1 et 2 avec mon meilleur pote. On s'est dit, ouais, bon, peut-être parce que quand même, c'est la nostalgie. On a remis le jeu, on a fait des nuits blanches dessus. Non, les jeux sont bons, ils sont bons, point barre. Oh. Je pense que c'est pour ça que j'adore ce jeu carrément, c'est vraiment top. Mais ouais, mais de ouf, faites un remake, putain, les gars. Electronic Arts, au lieu de faire des vieux remakes de Burnout Paradise, qui est génial. Mais juste avec des textures 4K, les gars, c'est un mode. Y a rien de refait, Burnout Paradise est déjà très très beau pour 2008. Allez, Côte d'Azur. Non, les gars, je sais pas si je vais avoir le temps. Compliqué. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de tourner des pré-starts pour YouTube.
Pourquoi? Parce que je suis un peu plus intimiste sur YouTube et il n'y aura pas l'overlay, le chat, etc. Et je pense que c'est mieux. Je pense. 3, 2, 1, go! Ah merde, avec les flèches. D'accord, ok, la conduite est un peu différente. Ah merde! Ouais, je... Les chocs étaient bizarres, mais je sais pas, c'était pesant. On met un remake, c'est clair qu'on achète ça. Enfin, pas un remake de merde, en vrai. Hein. Oh putain, l'inertie! Putain, juste avant, je jouais avec l'analogique, et là, je jouais avec les flèches directionnelles. Peut-être qu'il y a une option. Parce qu'avant, les deux manettes se partageaient le marché, en fait. Il y avait les manettes anciennes sans joystick et les manettes analogiques. Du coup, il y a certains jeux qui ont des options. Il y avait un mode balade, les gars. Il y avait un mode balade, je crois. Je suis sûr qu'il y a un mode. Ah, ça freine que dalle. Oui, c'est vrai qu'on freine avec les gâchettes. Et les gars, à force de changer de commande. Bon, ça a toujours été bizarre, c'était ça qui était bizarre. Voilà, les hitbox c'était toujours un peu bizarre, mais bon. T'as l'impression d'avoir un truc qui. En fait, t'as l'impression d'avoir une roquette sur un scooter. Vous avez battu le record du tour de ce circuit, c'est le dernier. Allez, voix française, qu'est-ce qu'il y a? Oh là, ça. Merde. Des dégâts ou pas? En vrai, je crois qu'il y a des dégâts. Juste un pot de fer, déjà, c'est punitif. Allez, droite, gauche. Mais ça va. Un peu molle la direction. Mais ouais, pour moi c'est quand même le gameplay que je préfère, c'est quand même mode poursuite. Enfin putain. Need for Speed 4. Vous finissez troisième. Extraordinaire, j'adore. J'adore. Et pour ceux, je sais pas si on pouvait police. On avait des Porsche de keuf là dans celui-là. Je sais pas. C'est beau. Des fois, ça doit laguer. Hein. Je vois mon OBS qui me dit que ça drop, mais je suis désolé. Pas pourquoi. Enfin, faut que je recharge le câble après à la pause. Bah il y a poursuite mais est-ce qu'on est juste l'Écosse quoi, que des trucs magnifiques, oui on est toujours dans le délire. On check tout de suite la poursuite, on verra. Vous savez la dernière fois je me suis fait quoi? Je me suis fait je vous spoil un peu, il y a un plan que je tournais, un truc voilà. Et je réécoute souvent la musique pour vraiment bien visualiser le plan. Et c'est une musique qui est dans Test Drive Unlimited 2. Et du coup en tapant ça sur YouTube, je me suis retapé toutes les musiques de Test Drive Unlimited 2 qui avaient un certain charme. Il y avait un truc que les Forza Horizon et The Crew n'ont pas. Mais que je retrouve un peu dans The Crew, parce que c'est le même développeur. Poursuite, un joueur. Adversaire moyen. À cause des poils de chat. En fait. Voiture du fuyard. Ah, du coup, si. 259 Porsche, ma Porsche préférée. Il y a... Je crois qu'il n'y a plus de présentation. Alors voiture du fuyard, du coup on va changer, on va prendre l'Écosse. Ah, est-ce que je suis le fuyard ou pas, je ne sais pas. Ah non, joueur 1 et en 911 turbo. Policier en police. Non, bah en fait on peut pas apparemment être policier. Je voudrais pas dire de conneries hein. Putain les gars, j'ai tellement pas le temps de jouer à tous les jeux actuels, mais j'ai tellement envie de refaire ces jeux là. C'est une horreur en fait, j'ai envie de rejouer Need for Speed. Vraiment. 3, bon faut aimer 2, la techno hein, mais bon. 1, go. Y'a pas une option? Tellement beau. Très sensible. Alors on va être sensible, tiens. Et qui joue. Salut Héron. Ok. La vérité, j'ai fait une crise d'épuisement en voyant ton planning. T'as vu? Je l'ai chargé comme jamais. Je crois qu'il est plus chargé que sur un live de 24 heures.
Donc ouais, il y a vraiment un mode balade libre. Là, par exemple, la map est ouverte. C'est des petites maps. Hein. Ah ouais, tu te fais toucher, c'est mort. Bon, on a compris. Bon, je sais pas si on peut être les keufs, je ne sais pas, peut-être en mission. Autre tracé. Non, non, non. On va être tranquille. On va rester tranquille. Qu'est-ce qu'on peut faire? Putain, j'ai envie d'aller en mode. En mode histoire et tout. Putain. Tellement cool. Je kiffe. Chasse au fagnon course. Alors, c'est un des défis. Donc le mode évolution. Et c'était où du coup le mode balade? On s'en fiche. J'étais sûr qu'on pouvait se balader. C'est la vidéo qu'on a coupée tout à l'heure. Bienvenue dans l'époque des origines, le centre port, je vous attends pour l'achat de voiture. Écoutez-moi cette musique! Viens dans ça! C'est quoi ce délire? C'est quoi ce jeu? Objectivement, je pense qu'il est meilleur que Need for Speed 4. Même s'il n'y a que des Porsche. Parce que... Ouais, non, objectivement, il est meilleur, je pense. Je pense qu'il est meilleur. Il est plus complet et tout. Tellement de détails. Ils ont pas juste signé un chèque en mode « on mettait des Porsche dans votre jeu, ouais, ok. » Maintenant, c'est quoi Porsche? Maintenant, c'est un pack à 15 balles sans Forza Porsche. Il y a des courses et tout. Il y avait des voitures. Quoi? Il y avait des voitures d'occasion? Je me rappelais pas de ça. Oh, j'adore. Mais là, je ne veux pas rester. Désolé, bisous, bonne soirée. Je serai demain. Pas de soucis. Je vous plais, meilleur Need for Speed, c'est aujourd'hui. Mais pas de soucis, c'est quand même sympa d'être passé en coup de vent. Passe une bonne nuit, repose-toi bien demain. Allez. Acheter une voiture d'occasion. Ouais, c'était encore 10 petites minutes dessus. Et après, ça va être un peu plus long, faut que je change de console. De toute façon, il y a la pause. Oh là là, je kiffe. Il y a une expertise, il y a un état général. Les gens. Je kiffe ce jeu, en fait. Need for Speed 4, ouais, il a une place spéciale à mon cœur, parce que c'est mon premier. Mais... Une course avec ta tuture. Ouais, mais je sais pas où est le free roam, les gars. Si vous arrivez à me trouver le mode libre, je veux bien faire retour arrière. Je veux bien chercher encore un peu le mode libre. J'ai cherché là en anglais, mais... Putain, j'étais sûr qu'il y en avait un, je passais mon temps à faire ça. Ah attendez, j'ai peut-être une idée. Peut-être qu'il faut faire un chrono ou un truc. Non bah non. Période suivante. Je veux cruiser là. Alors regardez, dans pilote d'usine on a quoi? C'est en pilote d'usine ou pas? C'est quoi pilote d'usine? Et si en débutant. Ah d'accord, c'était ça du coup, la mode évolution. Ah mais putain, mais. Bon, je zappe tout, hein, vous inquiétez pas, on fera un pré-start, un bonnet du farm, vous inquiétez pas. D'accord, c'est un slalom. Ok, c'est des défis, ok. Mais je veux vraiment ce mode libre. 3, 2, 1, go!
putain, ils sont chauds, hein. C'est bien le truc addictif. Il faut qu'on soit ça avec Butch, hein. On vous fait un follow YouTube comme ça, avec Butch. C'est ouf. Putain, c'est chaud de ouf. Allez, un dernier try. Il y a un bug, il y a un bâtiment qui a pas de texture. Félicitations. Et alors, vous avez battu le record du tracé. Oh. Gabriel là-haut. Oh, il est où là? Bon, allez. Du coup, je ne sais pas, les gars, donc on va faire une course parce que je sais pas où est le mode. Merci, Clift. J'ai tapé Porsche Unleash Free Roam et tout, mais. Free Ride. Mais... Merci, Ro. Allez, on quitte. Non. Donc c'est pas ici. C'est pas le design, c'est évolution rétrospective, non. Donc on va faire défi. Je pense que ça va être dans les défis. D'avoir un truc à sélectionner, une piste peut-être, je sais pas. Duel, course, poursuite, chasse aux fagnons. C'est une course, ça va pas être ça. Ah non. Les gars, y'a pas de mode libre ou quoi? J'ai pété un pont. Les gars, j'ai pété un plomb. C'est un truc de ouf. Porsche Unleash, ouais, il y a un mode balade. Les gars, c'est quoi ce délire? Oui, c'est vrai. Comment pas, les gars? Je sais plus du tout. Bien vu. Je sais pas. Je sais pas. C'est un truc de ouf. Pas un mec sur YouTube qui fait du freeride là. Putain, ils avaient une vue intérieure sur. Et pourquoi je me rappelle? J'ai joué sur PC à ce jeu. Attendez. Le mieux. Mais quoi? Ça me dit quelque chose, ce menu? Bah, je ne sais pas, les gars. Et en fait, le gars, il joue sur PC. Le menu me dit quelque chose. Ah, si, je sais. Attendez, je sais, j'ai peut-être trouvé. Dans ce coup, c'est un de faire tilt. J'aurais dû l'acheter d'abord. Ah, c'est vrai que j'ai pas sauvegardé. Tac. Non. Tac. Tac. Ne vous inquiétez pas, on va se balader. Je crois, je suis pas sûr. Vas-y, on achète. Voilà. On prend juste une caisse comme ça. Peut-être que j'ai trouvé. Ouais, je crois que j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé. J'ai trouvé, les gars. Putain, mais sur PC, ça n'a pas du tout la même gueule. Voilà pourquoi j'ai envie de faire une vidéo d'une heure et demie, deux heures. Mais un gros dossier avec les différentes versions sur PC et tout pour comparer.
Ah, je suis chaud, ah, je suis capable de récupérer les versions PS2, 360, PS3 d'un jeu, hein, juste pour tester. Ah voilà. Ah. Quel plaisir. Putain. Merde. Voilà. Ah ouais les gars, putain. Le problème c'est que c'est pas analogique, donc je peux pas rester à une vitesse, tu vois. Faudrait qu'on va à droite. Ce qu'on peut mettre, c'est clignotant, attendez. Ça c'est pour tourner. Ça c'est pour regarder derrière. Klaxon ? Pas vraiment jugé hein. Déjà je roulais tranquille dans ces jeux là. Regardez la police. Et la police change au fur et à mesure. Et la même map est disponible en 3 ou 4 versions je crois. Suivant la destinée dans laquelle on joue. Une amende, c'est pas genre ouais on t'arrête c'est fini game over. Non t'as une amende. Bon, c'est à l'époque où les voitures du joueur étaient mieux faites que les voitures de la circulation. T'es plus qu'un dans Forza Horizon par exemple. Bon forcément les gars ils savaient pas choisir voilà. Ah. Ah si, putain il a mis du temps à choisir. Ah j'adore. Ouais exactement, tu dois réparer ta caisse, c'est vrai. Je peux vite te retrouver dans la merde, on va pas se mentir. Et quoi, le nom du bled déjà ? Putain. Ouais, ok. Quoi ? Hein ? Ah, c'était. Ok, ça je dis où ? Ah, j'adore. Les panneaux toujours surdimensionnés. Ah là là. C'est typiquement des. Bon. D'ailleurs, c'est typiquement des routes que j'aime rouler, c'est vrai. Mais bon, les routes sont pas si larges, normalement. Hein. Salut Kof. Je suis pas klaxonné putain. En fait quand je tourne à gauche sur les flèches des fois ça appuie sur la flèche du haut. Rangez-vous sur le côté s'il vous plaît. Jamais. Dernier avertissement. On peut faire quoi? Bah vas-y. Ah voilà, ah oui c'est plus la même là. Ah ouais, ah oui il a bombardé d'un coup. Incroyable. La justice à deux vitesses. Clairement. Vous avez une demande. Ouah, le keuf. Il a fait un flip de la mort, non? Alors. Bon, c'était Porsche 2000. Ça mérite une grosse vidéo. Voire un follow. Faut que je propose ça à Butcher. Ça va être mort. Il est totalement estropié, ma voiture. Bref, du coup, on va changer de console, on va passer à la dernière pause de ce soir. On va carrément changer de console, on va passer à la Xbox, on change de génération. Pour Need for Speed, Hot Pursuit 2. Ah, Need for Speed, les plus durs que j'ai joué, de mon souvenir. De mes souvenirs. On dirait qu'elle accélère à fond. Ah, vraiment, c'est les deux meilleurs, c'est quand même ceux-là. Clairement, enfin pour moi, à mon sens, sont très très cool. Allez les gars, la petite pause qui va bien. On se retrouve dans... Ouais, il faut que je change de console, de câble, etc. Je vais essayer de faire au plus vite, ok? A de suite.